Nous lisons dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, les versets 14 à 29. En venant vers les disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès qu'elle vit Jésus, toute la foule fut remuée et l'on accourait pour le saluer. Il leur demanda : « De quoi discutez-vous avec eux ?» Quelqu'un dans la foule lui répondit : « Maître, je t'ai amené mon fils. Il a un esprit muet. L'esprit s'empare de lui n'importe où. Il le jette à terre et l'enfant écume, grince des dents et devient raide. J'ai dit à tes disciples de le chasser et ils n'en ont pas eu la force. » Prenant la parole, Jésus leur dit : « Génération incrédule, jusqu'à quand serai-je auprès de vous ? Jusqu'à quand aurai-je à vous supporter ? Amenez-le-moi. » Ils le lui amenèrent. Dès qu'il vit Jésus, l'esprit se mit à agiter l'enfant de convulsions. Celui-ci, tombant par terre, se roulait en écumant. Jésus demanda au Père : « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il ? » Il dit : « Depuis son enfance. Souvent l'esprit l'a jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, par pitié pour nous. » Jésus lui dit : « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria : « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Jésus, voyant la foule s'attrouper, menaça l'esprit impur : « Esprit sourd et muet, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Avec des cris et de violentes convulsions, l'esprit sortit. L'enfant devint comme mort, si bien que tous disaient : « Il est mort. » Mais Jésus, en lui prenant la main, le fit lever et il se mit debout. Quand Jésus fut rentré à la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier : « Et nous, pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ? » Il leur dit : « Ce genre d'esprit, rien ne peut le faire sortir que la prière. » Nous chantons le cantique 204 en nous mettant debout.
pouvez vous asseoir. Nous prions. Je voudrais rester en silence, Seigneur, et t'attendre. Je voudrais rester en silence pour me rapprocher des autres et écouter leur voix. Je voudrais rester en silence et découvrir avec surprise que tu as bien une parole pour moi. Non, je ne suis pas digne de te recevoir, mon Dieu, mais dis une seule parole et je vivrai. Le récit que nous avons entendu met en scène un miracle, comme on en trouve de nombreux dans les évangiles canoniques, mais aussi dans d'autres textes de la même époque. L'histoire est frappante en elle-même, elle est touchante, attachante. L'auteur de Marc est bon conteur, il construit ses personnages avec talent. Nous sommes confrontés à un père désespéré qui doit faire face au mal de son fils. Un mal qui s'exprime de manière spectaculaire. Non seulement l'enfant est jeté au sol et écume, mais le père raconte également comment ces crises mettent régulièrement la vie de l'enfant en danger. En tant que lecteur, nous éprouvons de la compassion pour le père. Nous pouvons être touchés par sa détresse. Mais le texte ne propose pas seulement une bonne histoire. Ce récit de miracle, difficile à oublier, sert aussi à étoffer la description de la relation entre Jésus et ses disciples. Dans l'évangile de Marc, cette relation est, pour le dire délicatement, difficile. En particulier, surtout à partir du moment où Jésus se met en route pour Jérusalem, les disciples sont décrits comme comprenant de moins en moins tant la situation que la personne de Jésus. On le voit déjà au moment du récit de la Transfiguration, quand Pierre refuse de comprendre que la révélation de la gloire de Jésus sert surtout à préparer l'interprétation de ce qui se passera ensuite, au moment de la crucifixion, mais ne peut en aucun cas être le moment sur lequel les disciples doivent s'arrêter. On le voit encore ici. Le Père, en effet, s'est d'abord adressé aux disciples pour qu'ils guérissent son fils. Et ils s'en sont montrés incapables. Jésus réagit violemment à cette incapacité des disciples. Marc, là encore, démontre son talent de narrateur. Il décrit Jésus à bout de nerfs, se plaignant de son entourage. On l'imagine facilement en train de s'arracher les cheveux, tant il est exaspéré par les échecs des disciples. Génération incrédule, jusqu'à quand serai-je auprès de vous
Jusqu'à quand aurai-je à vous supporter ? » Dans l'évangile de Marc, l'irritation de Jésus face à ses disciples est croissante. On peut se demander pourquoi, mais dans la logique narrative de Marc, il faut se rappeler que Jésus a donné à ses disciples l'autorité de commander aux esprits impurs et donc de pratiquer des guérisons au début de son ministère, au chapitre 6 pour être précise. Jésus envoie les disciples en mission et l'évangéliste rapporte que les disciples chassaient les démons et soignaient beaucoup de personnes. En tant que lecteur, on peut donc présupposer que les disciples sont capables de guérir et d'exorciser les démons. Ils l'ont déjà fait, ils en ont la capacité. C'est Jésus lui-même qui leur a donné. Leur échec, et c'est là la cause de l'irritation de Jésus, vient d'ailleurs. La raison de cette irritation est donnée à la fin du texte qu'on a écouté. Entre deux, comme pour enfoncer le clou, Jésus pratique lui-même, avec succès, l'exorcisme de l'enfant. En insérant l'exorcisme au sein du dialogue entre Jésus et les disciples, Marc montre avec une histoire ce qu'il va expliquer à la fin du passage. Il raconte ce qu'il dit. La raison de l'échec des disciples est donnée tout à la fin. Seule la prière peut chasser ces démons. Comme la réponse paraît simple, gentille même, après la colère noire de Jésus racontée au début de l'histoire. Naïf peut-être. Et pourtant, cette réponse si simple, apaisante, « Ah, c'était donc ça, il suffisait de prier !» pose des questions importantes qui traversent l'évangile de Marc et qui nous questionnent également aujourd'hui. J'aimerais réfléchir à ces questions avec vous ce matin en deux temps. D'abord, en restant dans l'histoire de Marc, et ensuite d'une manière un peu plus large, en utilisant la figure de Bartimée, un aveugle qui est guéri à la fin de ce passage. C'est peu dire que la prière joue un rôle fondamental dans l'évangile de Marc. À la fin de l'exorcisme du Fils, Jésus explique que seule la prière peut venir à bout d'un tel démon. Auparavant, l'évangéliste a montré narrativement ce que Jésus explique à présent discursivement. Dans l'interaction qui a lieu entre Jésus et le père de l'enfant, l'attitude du père de l'enfant est contrastée à celle des disciples. Au reproche de Jésus, le père répond par une confession, tant de sa confiance en Jésus, je crois, que des limites de cette même confiance vient au secours de mon manque de foi. Pourrait-on qualifier cette réponse de prière, justement ? Je crois que c'est possible. Sa prière affirme la confiance qu'il a en la personne et les pouvoirs de Jésus, mais elle demande aussi que cette confiance soit affermie, consolidée. Il me semble correct ici de voir l'affirmation de la foi du Père comme l'affirmation d'une confiance. Non pas « je crois en quelque chose », en des dogmes ou des affirmations théologiques, mais plutôt « je te fais confiance, j'ai entendu parler de toi et je crois que tu es capable de guérir mon enfant ». En même temps, le Père admet aussi l'absurdité de cette confiance, comme s'il disait « oui, je te fais confiance, mais je connais aussi mes doutes, le risque qu'il y a à ainsi confier mon enfant à une personne que certains décrivent comme insensée ». Le Père de l'enfant offre une figure qui est présentée en contraste à la figure des disciples. Là encore, l'évangéliste montre par une histoire ce qu'il explique également. Les disciples dans l'évangile de Marc sont souvent présentés comme étant sûrs d'eux, mais aussi comme choisissant régulièrement la mauvaise option. Pierre, à la transfiguration, croit savoir ce qu'il faut faire, mais il se trompe. Un petit peu plus tôt, quand il reconnaît Jésus comme le Messie, il refuse en même temps que cette identité de Messie aille de pair avec les souffrances de la crucifixion. Le père de l'enfant représente une autre façon de réagir à Jésus. Il fait preuve de confiance, certes, mais il reconnaît aussi que cette confiance est inquiétante,
le dépasse peut-être un peu, lui fait peur. Pourquoi ferait-il confiance à cet homme qu'il ne connaît que de réputation, alors même que ses disciples n'ont pas réussi à guérir son fils? L'admission des limites de sa confiance par le Père, sa prière pour plus de loyauté, est à mon sens ce qui permet à Jésus de réussir là où les disciples ont échoué. C'est la prière du Père qui finalement ouvre la possibilité pour le miracle. L'échec des disciples à imiter cette attitude a des conséquences graves. Dans ce passage, elle les confronte à une défaillance à laquelle Jésus peut remédier. Lui est capable de guérir l'enfant. Au moment de l'histoire de la Passion, leur échec va être plus profond, mais la cause en est la même. En effet, quand Jésus demande aux disciples de veiller avec lui au jardin de Gethsémané et qu'il est confronté à son propre désespoir, la réponse de Jésus est remarquablement similaire à celle du père de l'enfant possédé. Il reconnaît les limites de sa confiance tout en l'affirmant. Jésus demande que lui soit épargnée l'épreuve de la croix, mais place la décision entre les mains de Dieu. C'est sa prière qui lui permet de trouver une manière d'affronter ce qui est à venir. En contraste, les disciples ne prient pas. Il n'y a pas de raison donnée à leur absence de prière, mais c'est l'absence de prière qui les rend incapables de veiller. Quand Jésus revient vers eux et les encourage à veiller avec lui, il leur dit « Veillez et priez » afin de ne pas entrer en tentation. Parce que les disciples ne prient pas, parce qu'ils sont incapables de reconnaître et de donner voix tant à leur confiance et peut-être surtout à leur manque de confiance, ils échouent lamentablement dans leur entreprise de suivance. Là encore, Marc construit Pierre comme le paradigme de cet échec. Pierre est véritablement le sol pierreux de la parabole du semeur. Il s'enthousiasme, affirme sa volonté de suivre Jésus jusqu'à la mort et tout de suite après se retrouve en situation d'échec cuisant, endormi au jardin de Gethsémané. Pour l'évangile de Marc, ce qui fait la différence entre le sol pierreux sur lequel la graine germe et pousse tout de suite mais ne parvient pas à s'enraciner, et la bonne terre dans laquelle la graine peut produire du fruit, c'est la prière. Seul celui ou celle qui reconnaît son propre besoin et ses propres limites, seul celui qui admet ne pas pouvoir tout seul, seul celui-ci, dans l'évangile de Marc, peut être guéri, sauvé, exorcisé ou retrouver la vue. Si l'histoire de l'enfant possédé ne suffisait pas, l'évangéliste démontre encore une fois narrativement l'importance de la prière à la fin de la section sur le chemin vers Jérusalem, juste avant l'entrée triomphale. Nous retrouvons là l'aveugle Bartimée. Lorsque Bartimée entend que Jésus passe à proximité de lui, sur le chemin, il se met à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Malgré les réactions de ceux et celles autour de lui, Bartimée continue de s'adresser ainsi à Jésus. Quand Jésus s'approche de lui, il demande à Bartimée ce qu'il veut. Et Bartimée répond qu'il veut recouvrir la vue. Jésus lui répond « Va, ta confiance t'a sauvé ». Immédiatement après, l'évangéliste rapporte que Bartimée retrouve la vue. Ce que Jésus décrit comme confiance dans l'histoire de Bartimée se voit concrètement dans la prière que Bartimée adresse à Jésus. Elle indique la confiance de Bartimée, puisque celui-ci reconnaît la messianité de Jésus en l'appelant « fils de David », mais elle indique aussi l'humilité de Bartimée, qui implore la pitié de Jésus. Une fois de plus, l'évangéliste nous propose une figure de contraste aux disciples. Bartimée, malgré sa cécité, a le courage requis pour voir véritablement Jésus pour qui il est, et il a l'humilité nécessaire pour reconnaître ses propres limites. Il me semble que là encore, c'est la prière
qui permet le miracle. Il y aurait d'autres exemples dans l'évangile de Marc. Celui-ci se plaît à démontrer par des histoires ce qu'il proclame aussi dans ses discours. La bonne terre, celle qui produit des fruits, ce sont ces personnages itinérants de l'évangile de Marc qui la représentent. Et il la représente parce qu'en contraste avec les disciples, ils font preuve de confiance, mais aussi d'humilité. Ils prient, reconnaissent l'identité de Jésus et reconnaissent leur incapacité à comprendre complètement ce qui est en train de se passer. La prière est à mon sens un élément clé dans l'évangile de Marc pour comprendre la catégorie de bonne terre et pour comprendre qui sont les personnages qui suivent véritablement Jésus, qui sont ceux qui comprennent l'identité de Jésus, qui comprennent comment affronter la difficulté et le manque de confiance. Jésus lui-même est un exemple de ce type de comportement. Ce lien entre prière et salut témoigne d'une grande cohérence au sein du récit narratif de Marc, mais il peut poser certains problèmes. En particulier, je réagis avec méfiance quand on pose l'équation « prière-guérison » avec la présupposition « il suffit de prier pour être guéri, pour que la tumeur disparaisse, pour que l'enfant survive, pour que le frère renonce à son addiction, pour que le proche change son comportement. » Il y a deux aspects particulièrement pervers à cette équation. Si ce pourquoi on prie ne se produit pas, c'est parce qu'on n'a pas prié assez bien, ou pas assez longtemps, ou pas avec les bons mots. Et puis cette équation peut réduire les rapports des êtres humains à Dieu à une série d'interactions calculées. Je t'offre tant et tant de prières, et en échange, tu me donnes ce que je te demande. Le contexte du premier siècle peut, dans un certain sens, expliquer cette dérive possible dans l'emploi de la prière. Dans la piété du premier siècle, il importait que les dieux soient contents. De leur contentement dépendaient les bonnes récoltes, la santé financière, la paix, les bons voyages. De plus, si un dieu agissait comme un bon patron, en fournissant ce dont ses clients avaient besoin, que ce soit de la pluie quand il fallait de la pluie, ou la protection de la famille, ou la réussite dans les batailles, les clients se devaient de montrer la reconnaissance appropriée et de proclamer les bienfaits qu'ils avaient reçus de leur dieu, leur bénéfacteur. Dans notre contexte, nous n'aimons pas trop comparer les interactions des êtres humains avec Dieu aux transactions qui pouvaient se faire entre patrons et clients au premier siècle. Ce contexte n'est plus vraiment le nôtre. Ce qui reste pareil, par contre, c'est le besoin de protection qui motive le système de patronage au premier siècle. Comment alors réfléchir à la prière et à son importance sans nécessairement l'inscrire dans le système de bénéfaction qui régissait le premier siècle? L'évangile de Marc nous offre des pistes, mais aussi ses limites, puisqu'il s'inscrit pleinement dans la culture du premier siècle. Le texte qui nous a accompagnés ce matin décrit une prière simple. Elle parle de confiance et de manque de confiance. Elle ne demande rien, ou en tout cas pas explicitement. Elle permet simplement au père de l'enfant de se placer en relation de confiance avec Jésus. La prière telle qu'elle est présentée dans l'évangile de Marc est une affirmation de confiance, mais aussi une constatation de ses propres limites. Dans la constatation de ses limites, la manière dont l'évangéliste pense à la prière me donne envie d'aller chercher ailleurs pour réfléchir encore un peu plus à la prière aujourd'hui. Dans cette insistance sur les fêlures des êtres humains, sur l'importance de leurs imperfections, l'évangile de Marc évoque pour moi les mots du poète-chanteur canadien Leonard Cohen. Ces chansons sont souvent comparées à des prières. Elles en ont certainement la puissance évocatrice et la poésie. Je pense en particulier à une thématique qui traverse plusieurs de ces textes et fait référence à la façon dont les êtres humains peuvent ou non offrir une forme de louange à leur Dieu, quel qu'il soit. La chanson un peu surutilisée « Alléluia », elle est même dans le film Shrek,
pose cette problématique de manière ouverte. Cohen y chante son doute d'avoir su offrir la bonne forme de louange. Il affirme n'avoir su apporter qu'un Alléluia brisé. Il écrit « J'ai fait de mon mieux, ce n'était pas grand-chose ». La seule chose qu'il peut offrir à son Dieu est un hommage bancal, mais sincère. Pour Cohen, dans chaque mot, même imparfait, il y a un éclair de lumière. Dans une autre chanson, plus récente, et d'ailleurs intitulée « Come Healing », vient guérison, il affirme qu'on ne peut jamais apporter que ses fêlures comme hommage à la divinité. La prière ici ne fonctionne pas pour s'assurer de quelque chose de la part de Dieu. Elle n'est même pas vraiment une demande. Elle est simplement affirmation de notre profonde humanité, de nos brisures, de nos détresses, de nos manquements, de nos échecs, de toutes ces choses qui, au sein même de toutes nos différences, nous marquent simplement comme des frères et des sœurs sur la terre, constamment insuffisants et limités dans ce que nous pouvons faire, dans la confiance que nous savons accorder. Cohen écrit dans un refrain devenu célèbre que c'est à travers nos fêlures, nos fragilités, nos failles que la lumière peut se glisser. Peut-être que la centralité de la prière peut se trouver là. Elle ne fonctionne pas comme une assurance vie ou comme une façon d'obtenir à coup sûr ce dont nous avons besoin. Mais elle nous rappelle, et là nous pouvons aussi bien nous appuyer sur l'évangile de Marc que sur les mots de Leonard Cohen, que nos offrandes ne sont jamais parfaites, nos mots rarement bien trouvés, et que ce sont nos abaissements et nos failles qui laissent entrer la lumière. Que dans ces manquements, nous nous retrouvons en solidarité avec les autres, avec toutes nos différences d'éducation, de culture, de classe, de genre et de sexualité. Les mots de la prière sont peut-être une façon de nous encourager à accepter cette solidarité dans la différence et même à la proclamer. J'ai confiance, aide-moi dans mon manque de confiance. Il y a une brisure en chacun de nous. C'est par là que la lumière se glisse. Amen.